l'odeur des produits chimiques prend à la gorge. La faute ? À ces grosses machines, des pulvérisateurs de pesticides. Le journaliste aurait fait l'objet de pression. Un intermédiaire lui aurait proposé 15 millions d'euros pour qu'il arrête son enquête. Madame, Gotan, il faut choisir les énergies fossiles ou notre avenir. De plus en plus d'étudiants viennent chercher le colis hebdomadaire distribué par la Banque alimentaire. Quelques 500 migrants ont été violemment évacués de la place de la République à Paris. Rendez-vous les 12 et 19 juin. Votre bulletin peut tout changer.